Yo, 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 la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bof Player. Et qui dit une nouvelle vidéo dit une nouvelle mission, une nouvelle planète à découvrir. Une nouvelle planète à découvrir, les amis. Comme vous l'aurez compris, c'est la planète Man of Medan que nous allons découvrir. Une seule chose à faire, les amis, installez-vous confortablement dans votre lit, dans votre canapé, ou pourquoi pas un hamac. Laissez-moi faire le reste. C'est parti, les amis. Ça sent pas bon. Wow! Wow, 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 wow! Boum! Tu calmes. Oh! Ah, c'est les mecs de la dernière fois, je crois. Bah ouais, bah oui, c'était sûr. Il manque quelqu'un, non? Ils sont combien? Trois, je crois. Que trois. Julia, ça va? Ouais, je crois. Oh non! Ça y est, presque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle est sous plan. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad! Cool, génial! Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé hey. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Il faut se détacher. Les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. Ouf. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne ne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde.
Ah ouais. T'as entendu la demoiselle? Elle a du caractère. Aïe aïe aïe. Ah ouais, tu sais t'y prendre avec les femmes. Oh merde. Est-ce que je fais le mec ou pas? Vas-y, je fais le mec. On s'occupera de lui plus tard. C'est parti pour la baston. Ils reviennent. Oh putain, Conrad. Ferme-la un peu. Ah non plus. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Ouais. Il se planque, il va bien. Ok. Tourne-toi. Bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos. Sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Ça m'a l'air mal embarqué cette histoire. On peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise, les choper. Je peux... Si vous arrivez à les distraire, je peux me glisser jusqu'au hors-bord. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Plus que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau.
Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. Pas con, l'astico. 2, 3, 4, 5, 6. Hey, mais qu'est-ce que tu fous? Vous faites quoi, merde? Conrad, allez, va au bateau. Fais chier. T'es vraiment débile. J'ai du mal avec ça, moi. Conrad ! Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon, bateau. Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Oh, c'est pas bien ça. Pas très gentleman, l'ami. Olson, viens voir. Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? Alors, c'est rien, gros. En fait, on a juste ramené le petit papier sans faire exprès. C'est un petit souvenir comme ça, tu vois. Chance! On pouvait reprendre le bateau et t'as merdé! Ouais, j'ai pigé. Eh oh! Fermez vos gueules! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Faut que j'en dise. Fleece doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Oh là là. Mais t'es complètement givré. Comment tu peux sortir toutes ces conneries? Comment tu peux dire ça, espèce de sale con plein de fric? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu. Hé, couillon! Ferme un peu ta gueule. On bouge pas, assis. Quoi? Ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Oh, oui. Ça a joué fine. Rien de débile. Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Hey, j'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous. Un gros orage arrive de l'est. Il a bousculé un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure.
avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Allez, tout va bien. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. J'espère qu'il va comprendre. Oula. Ok, ouais, vas-y, balance-moi tout ça. Allez, viens par là. Hey ! Allez ! Vite ! Merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Brad est planqué sous un lit. On peut pas le laisser là. Il pourrait se noyer. Il faut qu'on le fasse sortir de là. C'est dangereux. Brad, allez! Montre-toi! Bouge! C'est mieux qu'il finisse naïf. Mamma mia! Tout le monde est encore en vie. Ouais. Les choses auraient pu tourner différemment. T'as vu, j'assure. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Puisque je suis un être au grand cœur, je vais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? C'est sympa. Allez, un peu de surprise. Vous refusez mon aide? Oui. C'est très louable, admirable. Ouais. Sans doute stupide. Nous le saurons bien assez tôt. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Il m'a quand même donné un petit indice. Oh là 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 là. La porte! La porte! Vite, la porte! Sur la
tête d'animal. Allez, Junior, montre-nous tes muscles. C'est quoi ça? Allez. Merci. Allez, continue. Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. Ça en a tout l'air. J'espère qu'on est les seuls ici. C'est compris ? Par ici. C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. Tomber s'embrasser. Ah, c'est plutôt sombre hein, comme endroit. Oh, ah, ça sent pas bon là. Je pense qu'on va creuser un par un. Cet endroit me file tellement la chair de poule que je vais finir par chier un œuf. Il est drôle lui hein. T'as de l'humour mon gars, c'est bien. On se tire pas d'ici. Je préférerais être n'importe où qu'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce que c'est? Continue. Il a... Oh. Il est pas content lui. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ces enfoirés au juste? Oh, merde! Oh, je viens de finir Plecter l'innocent, je pensais que j'en avais fini avec les rats. Oh là là. Olson, il y a une porte ici. Allez, bande de nazes, entrez là-dedans. Oh. Au moins pour l'instant, on est tous en vie, les gars. Hé hey, on voit que dalle ici. Donnez-nous une lampe. Peut-être qu'on ne peut pas leur donner quelque chose. Oh. Merci. La confiance, hein. Ça marche. C'est quoi ce putain d'endroit? Merde. Même ces connards flippent pas mort. Alors ce bateau, ce serait l'or de Mandchourie? On n'est pas très loin des coordonnées indiquées. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. Ouais. C'est pas tout à fait la situation idéale pour pouvoir passer à l'action.
Ouais. À la seconde où ils baisseront la garde, on en profitera pour prendre le dessus et se tirer. Ouais. C'est clair. Son rafio rouillé va pas tarder à se décomposer dans l'océan. On a déjà essayé de s'évader. C'était pas vraiment une réussite. Ils ont pris notre tête d'allumage. On va pas aller bien loin sans cette pièce. C'est quoi une tête d'allumage ? Bon, ok. C'est quoi exactement une tête d'allumage ? Fais comme si tu parlais à quelqu'un qui connaissait que dalle au bateau. C'est quoi, c'est une clé ? Eh ben en gros, la tête d'allumage permet de répartir le courant électrique de la bobine au rotor qui, lui, va ensuite pouvoir permettre... C'est une pièce très importante. Sans ça, on pourra pas démarrer le Duke of Milan. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Fliss, je tenais à te dire que j'ai peut-être un peu dépassé les bornes là-bas. C'est-à-dire ? J'ai peut-être, disons, tiré des conclusions un peu hâtives en pensant que... En pensant que t'avais un genre d'accord secret avec ces types, un truc comme ça. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous. Donc, voilà. Je vais me permettre de traduire. Il te dit qu'il s'excuse. Ouais, je... On va dire que je vais accepter tes excuses. Cool. Cool. Donc pour l'instant, je suis Conrad. Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes. T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Wilson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que... Oula! Arrêtez, arrêtez ça! Ta gueule, Junior! Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charme, on sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire? Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voler. Et là, on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers? Ça va trop loin, tout ça. Vos gueules! Fermez-la, tous les deux. Je suis votre capitaine, et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Ouais, ils étaient pas prêts pour ça. Quand on t'a dit que ce serait une petite aventure... Est-ce que j'aurais dû lire les petites lignes? Tu comptes nous faire une facture détaillée? Alors, qu'est-ce que bizarre, ça a été arraché. Ouais. L'inscription a été arrachée. Au moins, ça inclut pas les dégâts du bateau. Maintenant, ça. Mais qu'est-ce que c'était, ce bateau? Voyons voir. Appartement 2-275 Lockwood Drive. Bref, nanana, salut trésor, tu me manques énormément, encore 3 mois avant ma prochaine permission, et je me mets dans tes bras, 3 mois. On est allé boire quelques bières avec les gars lors de notre dernière permission à terre, mais ne t'en fais pas, je m'assure de rester en forme pour toi, si tu vois ce que je veux dire. Ah le con, comment va le boulot? J'espère que ton patron te fiche la paix, je sais que tu peux te débrouiller seul, mais je me sens impuissant quand je suis loin de toi. Je voudrais te protéger. C'est mignon. Génial. J'ai beaucoup donc, de temps pour penser. Je vais crever sur un vaisseau fantôme. J'ai beaucoup de temps pour penser. Pendant que je surveille les cases, c'est sombre et sinistre ici. Certains gars ont vu une silhouette rôder, mais tu es toujours près de moi pour me rassurer. Je te rejoindrai bientôt et je me trouverai un boulot de mécano. On pourra se marier et avoir deux enfants. On sera heureux pour toujours. Je t'aime très fort. Miller X. Miller, ah oui, on a vu sa combinaison sur. Dans une allée là. Tac, qu'est-ce que c'est que ça? Très, très flippant. Ah, des lunettes. Est-ce qu'il y a de flippant à avoir des lunettes?
J'ai vraiment pas envie de savoir ce qu'ils comptent faire d'eux. Eh, il faut qu'on guette une nouvelle opportunité. Tu me suis ? Ouais, on voit. Ça a l'air bien amoché, ouais. Yes! Bingo! Hey! J'ai trouvé un truc par ici. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Vingt-quatre archéologues britanniques ont disparu dans les monts Zagros en Irak. L'expédition Oxon était arrivée en septembre dernier dans le but d'annoncer de mettre dans le but annoncé de mettre au jour. Je pense que c'était l'histoire encore du de l'or. Ça donne quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Hey, par ici. Si on arrive à l'ouvrir, on est libre. Oh, on sait pas du tout où ce conduit va nous mener. Ce sera pas pire, ouais. Peu importe où ça nous mène, ça sera jamais pire qu'ici. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Ah ouais, bien sûr. Place à la testostérone. Quelqu'un devrait faire diversion. Ça sera pas discret. Ouais, ok. Conrad, occupe-t'en. Américain. À votre place, vous ne remettrez pas votre président à dos. Faire foutre. Il vous traquera sans relâche. Jusqu'à choper chacun de vous. Hey, est-ce que vous m'entendez? Je veux une réponse. Hey, hop. Dépêche-toi. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés à regarder cet épisode comme moi je me suis régalé à le faire. En tout cas, on donne rapidement rendez-vous pour de nouveaux épisodes mercredi la semaine prochaine et dimanche en fin de semaine comme d'habitude. D'ici là, gardez la pêche et surtout, on se tient au jus de pomme. Peace la famille.